faire une galette des rois fait maison. Donc, je sais pas à quoi ça va ressembler, mais après, ça se trouve, mais ça va être beau. Il faut dire qu'on est des quiches Lorraine en pâtisserie. Non, moi, ça va, ça va. Jean, vous êtes bien, vous et pas moi. Non, à chaque fois, ça a été une catastrophe. À chaque fois qu'on a voulu faire, franchement, de la pâtisserie, c'est une grosse catastrophe. Aujourd'hui, on tente la galette des rois. Franchement, je suis pas sûre de moi. Après, les filles vont m'aider, on verra bien. Dionysa la recette. Donc déjà, qu'est-ce qu'il faut comme ingrédient? Du beurre. Qu'est-ce qu'il y a? Et là, il faut préciser que si nous, on y arrive, obligé, vous allez y arriver. Ah bah oui. Donc du beurre. Du beurre. Du sucre. Du sucre là, en poudre. La pâte feuilletée. Là. Là et là. Une pour la chaleur. Donc là. Amandes en poudre. Amandes en poudre. Là. Des œufs. Combien? Trois. Trois. Okay. Et une fève. Et une fève. Alors du coup, la fève, c'était dans le calendrier de l'avant de Lilo. Et du coup, en espérant qu'elle aille au four. C'est quoi, ouais. Bah si c'est du plastique, ça va fondre dans la galette. C'est du plastique. Non, c'est pas du plastique du tout. Ah. Fais la tomber. C'est pas du plastique. Voilà. On ne sait pas, on n'est pas sûr. Donc la première étape, c'est parti. Il y a 6 étapes. D'accord, vas-y, c'est parti. Alors, première étape. Première étape, placer une pâte feuilletée dans un moule à tarte, piquer la pâte avec une fourchette. Ah, ça déjà, je l'avais faite. Oui. Ça, j'avais déjà avancé. Tu peux le faire? Donc, oui, il faut faire des trous. Après, des trous, ça veut dire comment? Est-ce qu'on fait plein de trous ou pas beaucoup de trous? Lilo a décidé d'en faire beaucoup, je pense. Ouais, mais comme ça, sinon, ça va gonfler, donc... C'est bon, là. Je me connais en cuisine. Lilo s'y connaît beaucoup plus que moi en cuisine, j'avoue. Et aussi, on fait sur les côtés parce que sinon, ça va gonfler. C'est quoi que tu préfères que je cuisine? Le riz portugais. Ah, le riz portugais, j'ai vrai, je le gère. Ah, tu vois, la purée. La purée? Ah non, ça c'est... On sait pas, il y en a assez, il y en a assez. Ouais. Donc, la première étape, c'est bon, on a fait les trous. Pour l'instant, facile. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, c'est bon. Deuxième étape. Deuxième étape, enfin, saladique. On l'a. Faut mettre la poudre d'amande dedans. Donc, 140 grammes d'amande. 140 grammes d'amande. Alors, déjà, on n'a rien pour calculer. Attends, il y a combien de trucs? Le paquet, je sais. Mais qui a pas d'amande? Il y a combien de machins? Là, il y a 200 grammes. T'es sûr qu'il y a 200? Ah oui, 200 grammes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut 140. Il faut 140. Moi, je vais calculer. Non, en fait, tu mets comme le sucre. Bah non. 200 grammes d'amande, ça va pas faire 200 grammes de sucre, c'est pas possible. Non. Je comprends pas. Bah ok. Non, 100. Voilà, la moitié. 200. La moitié, c'est 100. Déjà, l'arnaque. Déjà, le sachet, il est là. Ça vient jouer. Ouais, ça aide pas. J'en ai mangé hier. Hein? Mais du coup, c'est facile. Du coup, on sait même pas s'il y a 200 grammes à l'arnaque. Moi, je savais pas que c'était pour la vie. Tu? Si, vas-y, il y a 200. Donc 200 grammes. La moitié. Donc 100. La moitié, 100. Et un petit peu au-dessus. Un petit et du coup, en plus. Du coup, par là, du coup. Non, non, c'est trop. T'as tout mis, maman? Non, oui, non. Au pire, en vrai, elle a un peu mangé, donc t'oublies pas de ça. Au pire, ça sera plein d'amandes. Ouais, au pire, hein. Ça peut pas être mauvais. Troisième étape. Je vous ai dit déjà, ça va mal partir. Attends, mais après. On va faire l'étape 2. Là, il faut écraser que ça fasse des. Voilà, faut pas qu'il y ait des morceaux. D'accord. Ensuite, il faut mettre le sucre. Combien de sucre? Là, on a un truc. On a enfin un truc. Ah! On va mettre 100 grammes. 100 grammes? Ça me paraît pas beaucoup. Normalement, c'est trop long. Mais non, il y a écrit sucre, regarde. Sugar. Bah, alors il dit sucre, mais ça commence à 200 et il nous faut 100. Bah, la moitié de 200. Ça fait pas beaucoup oh, de sucre. Oh, mais non. Ça fait pas beaucoup de sucre, je crois. Tu mets du 100 kg là, quoi. Mais non, 100 kg là, c'est du liquide. Bah oui, mais avant, il y a pas. Là, encore. Ouais, là, il faut qu'on aille à la moitié du 200 en fait. C'est la moitié. Maman, on voit plus. Maman, on voit plus le 200. Non, voilà pourquoi. 200, ça va. Je mélange. Oui. Voilà. Oh là là. Maman, stop. J'aime pas quand c'est pas sucré. J'aime pas quand c'est pas sucré. Non. Mais déjà, une galette de pas sucrée, ça existe. Bah, une galette de pas sucrée. Forcément, c'est sucré. Bah oui. Troisième étape. On est toujours à la deuxième. On est toujours à la deuxième. Deuxième étape. Pour mettre les deux œufs entiers. Comme ça, dessus. Ouais. Oh, mais ça tue. Là, pour faire un trou. On fait un trou. Lilo, c'est toi qui les casse, les œufs. Voilà, c'est moi. Allez, vas-y, deux œufs. Oh, là, il y aura des cookies. Mais oh, non.
Yes! Aucune copie. Quelle marque de glace je suis! La deuxième. On casse un peu plus. Ah, une copie! Oh, mais il n'y a plus de copie. Oh! Non! Ça va grossir! Oh! Ah, ça y est, on met les doigts dedans, ça y est, c'est une catastrophe. J'arrive pas à le choper, il y a une copie. Attends, faut pas le casser. Alors, les trucs là, tout là. Je l'ai. Ça y est, je l'ai eu. Mais non, je l'ai. On va mélanger. Ouais, maintenant, vous mélangez tout. On va faire voir, je peux. Attends, et pour l'instant, la recette, super simple. Je pensais que c'était super dur à faire une galette des rois. Natacha, c'est tout simple. Prochaine étape, c'est quoi alors du coup? Je crois que c'est le beurre. Il faut mettre. Oh là là, les calculs, mais il faut être bon. 75. Mais ça va, il y a écrit 25. 75. Ouais, mais j'ai pas confiance. 25. Donc là, donne-moi un couteau. Non, moi, ils avaient dit du beurre mou. C'est une brique. C'est une brique. Donc déjà, ça va pas. Mais bon, on va essayer. On va pas paniquer. Donc ce qui est bien sur les beurres, c'est vrai qu'à chaque fois, c'est numéroté. 25. Donc, 34, 75, troisième trait. On y est. Mais moi, comme on a rajouté un peu plus, on met tout. On met 50, on met 25 de plus, puisqu'on a rajouté du sucre. Bah non, c'est une brique. On peut couper en petits bouts, on met plus, sinon ça va être trop dur à étaler. Non, mais fais-le cuire au micro-ondes. Mais il y a beaucoup de beurre. Mais fais-le cuire au micro-ondes. Ah non, ils disent du beurre mou. Bah non, moi je veux le mettre, il est pas mou. Bah oui, mais bon, à force de toucher, il va être mou. Maman, t'abuses. Maman, c'est le but de faire bon, quoi. Bah oui. Là, il faut étaler. Pour l'instant, c'est tellement simple. Allez, j'ai. Ouais. Tiens-moi le sel. Bah, ce qui m'inquiète un peu, c'est la fève. Non. Après, j'avais nettoyé une pièce de 1 euro. Je l'ai désinfectée. Alors, je sais pas si on met la pièce. Je sais pas si on met Stitch. Ou la pièce. Au pire, on met les deux. Ou la pièce. J'ai pris une pièce de 1 euro. Je l'ai désinfectée. Je l'ai fait bouillir. Parce que j'avais pas de fève. Mais du coup, Lilo est venu avec sa fève en plastique. J'espère que c'est pas du plastique. Et le beurre, il s'étale nickel. Ouais, de ouf. Tiens, viens, on peut. Allez. Après, c'est quoi l'étape? Tiens. Interdiction de goûter. En plus, ça met que du beurre, non? C'est bon? Là, beaucoup trop de sucre. Vraiment, c'est. Vraiment, je bouffe du sucre. Oui. Et franchement, c'est pas dur si c'est que ça, là. Mais non, on a oublié une étape. Alors, on est quelle étape de. Ou sinon, on rajoute du chocolat, non? Mettre du chocolat? Du chocolat noir? Non, genre du Nutella pour faire une galette au Nutella. Non. Ça, c'est une mauvaise idée. Non. Pourquoi j'ai fait ça? Oui, il y a plus de beurre. C'est quoi la prochaine étape? Placer la pâte obtenue dans le moule à tarte. Quoi? Faut placer ça dedans. Alors, c'est fini? Bah oui, presque. Après, faut qu'on mette dessus. J'ai envie de mettre les mains dedans pour mélanger correctement. Non. Mais si, j'ai les mains propres. Ouais, mais c'est chiant, regarde, là, tu peux pas le désinfecter. Je suis doux. Non, regarde, les mains. Le beurre, il a trop de mal à. Mélange. Mets les mains. Toi, oui. Mets les mains moi. Oh. Et hey, comment ils font les pâtissiers Ils mettent les mains dedans et vous mangez les baguettes et vous dites rien. Ah, parce que vous, c'est des pros. Bah, moi, je suis pro. Mais tu fais voir la caméra. T'as une dégoûte, moi. Ah, ça me dégoûte. Le beurre, ils font pas, mon galère. Mais si, ça va, en vrai. Ah, ouais, mais ça va, mais il y a plein de morceaux. Ah, bah là, c'est même plus des morceaux, là. Peut-être qu'on a un gros fruit. Non, oh, maman, d'autres. Un autre. En fait, il y a pas beaucoup de pâtes, par contre. Mais ouais, hein, ils sont là. Oh, c'est genre, on va faire chauffer au micro-ondes un peu, non? Non, ça va faire des bulles. Non? En fait, ça va cuire. Mais non, ça va faire une omelette. Il y a des œufs. Mais oui, ça va faire une omelette, maman. Il y a des œufs. Mais non, ça peut pas faire des omelettes avec autant de beurre. Vas-y, fais. Ah, attends, on essaie juste, dis-moi, le truc de beurre, il sera mousse un peu. Non, mais ce beurre comme ça, il va bien fondre. Non, on revient les morceaux, vraiment, ça va pas. Enfin, un truc bien mieux, mais. On vient mieux. Attends. On met combien de temps pour mettre? C'est pas moi qui gère le temps. Dès que c'est à 20 ans. 30 secondes. Non, 30 c'est trop. 8 minutes. Mais maman, c'est trop. Mmh.
notre micro, on est quand même en mort en plus. Vas-y, il faut le frapper. Mais non, c'est pas comme ça. Bon, du coup, on a mis 30 secondes. 30 secondes au micro, on verra bien. Voilà. Personne ne fait ça. On verra bien ce que ça donne. J'ai mis 200 grammes de talent. Et du coup, le fou, il fallait le faire préchauffer, non? Oui. À combien? 200 degrés. Regarde, j'ai mis à 200 degrés. Il a pas été cher comme ça. Meilleure cuisinière, c'est qui là? Mettez dans les commentaires, c'est qui la meilleure cuisinière là? C'est moi, ça sonnait, vite! Tout va exploser. Oh, c'est un petit peu gonflé. C'est nommé. Est-ce que ça sent le mec? Elle a fait les yeux. Qu'est-ce que je vous avais dit? Bah, franchement, ça va. Et tout est mélangé. Donc, petite astuce, si votre beurre est trop. C'est nommé. Non, ça peut être honnête. Si votre beurre est trop épais, trop frais, vous mettez 30 secondes. Non, faites pas, parce que c'est vraiment nommé. Voilà, après, prochaine étape. Mettre dedans, sans renverser. Bon, attends, c'est Lilo. Oh, on va mettre trop petit. Il y a la marquise. La marquise. C'est la marquise. La marquise. La marquise. Il y a la marquise. Comme quoi, à quel point on est pourri. Tu ris, moi. Franchement, moi je dis que ça va. C'est moi qui laisse les cuillères. Enfin, la marise. Il y a un poil dessus. Mais attends, mais c'est pas fini. Il faut tout mettre. Comme l'espillage. Bien sûr. Mais je crois qu'il y a un peu trop de poudre dans ta. Non, ça va, maintenant, si tu étales bien. Tu étales bien. Là. Et on le passine. Pareil, très peu. Il n'a pas été assez radin. Après, franchement, le sucre t'aurait dû doser. Et franchement, là, par contre, il y a beaucoup de frangipane, du coup. Oui. Bah, si dans les magasins, à chaque fois que je prends une galette des rois, à chaque fois, je me dis, mais il n'y a pas assez de frangipane. Là, franchement, costaud. Et on aurait dû mettre de la levure. Ça se trouve, ça aurait gonflé. Il y a trop de sucre. Non. Après, prochaine étape. On sent les doux sucres. Prochaine étape. Recouvrir avec la deuxième pâte feuilletée en collant bien les bords. En fait, là, il faut coller de ouf ça à l'autre pâte. On a pris la pâte feuilletée comme ça, c'est super facile. Tu fais? Ouais. Vas-y. Bah, non, normalement, c'est faire. De bouffer, il y a beaucoup trop de sucre. Détale. J'arrive pas à parler, j'ai dit détale. Enfin, on va voir. Déroule. Ah, l'odeur, par contre, elle est pas ouf. T'as vu l'odeur? Ça sent pas bon. Hein. Sinon, les filets à rien à part, sinon on est foutus les gars. Vous allez faire quoi là avant là? Vous allez la cacher? Et non, attends, vous allez mettre. Mais non, ça. Attends deux secondes, Lilo. Et l'étape cruciale là, à mon avis. Non, on fait comme ça. Attends. Mais la fève! Ouf. Faut mettre la fève? Non, non, après. Mais non. Bah, y'a pas écrit dans la recette. Y'a pas écrit dans la recette. Y'a pas, c'est après! C'est après la fête. C'est quand on a mis la sauce. On va finir les trous. Écoutez-moi. Bah. Je vous dis qu'il y a un problème dans ta recette. Pourquoi? Et puis la fève, on la met quand du coup? Bah, quand on fait les trous. On verra. Ça doit coller? Ça colle. Moi je dis on met la fève maintenant. Tu sais que ça doit pas être collé. Hein. On la met au fond. Comme ça. On la met comme ça. Et après, du coup, il faut resserrer les bords, non? Ouais, maman, c'est quoi ça colle? Allez, on serre les bords. Franchement, on gère. Non. Franchement, on gère. Franchement, on gère. Non. Attends, j'ai le la. Non, mais tu fais. Tu sais que tu veux faire ça? Bah, sinon, ça va partir dans tous les sens. Les zones du collier, c'est tout, pas enroulé. Ah, moi, j'en roule. Je vais mettre... Moi, je veux être sûre du résultat. Écoute-moi, elle m'appelle le gros lait dans le métier. On m'appelle gros lait. Regarde, je vais voir. Gros lait. Pourquoi ça fait ça? Vraiment, on va oui. Pourquoi il y a ça fait ça? C'est pas beau. Et du coup, combien de minutes on en fait? Non, non, stop, il faut faire un petit trou. Non, mais pas de petit trou par-dessus. Vas-y, combien de... on met combien de temps? Bah, dis-je, on est avec la main. Voilà. C'est ça qui faisait la pâte bizarre. Donc, on badigeonne avec l'œuf. Regarde si ça filme toujours, Dana. Il faut un pinceau, non? On n'a pas de pinceau, on fait avec l'œuf. Oui, c'est ça filme. Mais pas le jaune?
Bah si, il faut le jeu. Mais... Ah, on est nuls. Non, attends. Il faut garder que ça. C'est gagne en plus. Ah, non, bah foire-le pas. Sinon, on met le blanc avec. C'est pas vers un œuf. Oh, garde le jaune, garde le jaune. Il y a une coquille. Et mets le jaune par-dessus. On va mais les c'est quoi cette cuisse? Mets-le par-dessus. Bah maintenant, on étale. Ah, mais c'est sûr. On va pas dans le jaune. Après, on étale. Attends. Comme ça. Mais si, c'est sûr. Oh, attention, tu vas faire un trou. Elle a fait un trou. Elle a fait un trou. Mettez des commentaires, amusez-vous, faites ce que vous voulez. Je vous embrasse, je vous fais plein de bisous. Bisous.